Il y a des moments où, quand le comité central se réunit pour envoyer des gens en forêt, on dit qui est candidat. Il est même le premier. C'est pas pour rien qu'on a mis le coordinateur de la forêt. C'est un bon sens de cause. C'est à cause de son courage. C'est à cause de son esprit de sacrifice, l'abnégation qu'il a eu à incarner. C'est à cause de sa détermination. C'est à cause de son choix. On dit que le choix fait des amis, le sort fait des parents. Il a choisi le MPG, il a choisi le professeur Tafane, jusqu'à sa mort, il est resté fidèle derrière son choix. Donc, nous ne pouvons pas l'oublier. Il est inscrit dans le carnet de l'histoire du MPG à Kansé. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et les générations futures doivent quand même se souvenir de lui et l'immortaliser dans le temps. Voilà notre souhait, le plan. Vous savez, dans la lutte politique, il y a des gens qui luttent à grand jour. Il y a des gens qui luttent à l'ombre. Il y a des gens qui luttent au niveau des deux niveaux. Alors, à ces gens-là, Bamba Mamoué fait partie de ces grands hommes. Alors, soyez rassurés que la direction nationale ne sera pas à l'est. On va essayer de l'inscrire sur le listing des martyrs. Parce que le RPG a son histoire. Ceux qui l'ont incarné, nous ne devrions pas les oublier un seul instant. Les grands leaders du RPG, c'est généralement des gens très modestes, qui n'ont rien réclamé, qui n'ont rien exigé, et qui sont restés déterminés derrière le professeur Alpha Condé. Alors cet homme qui nous a quittés fait partie de ces grands hommes, que son âme repose en paix. Je vous remercie.